Salut à tous, on se retrouve sur Total War Warhammer 2 avec les von Karstein. Alors, nos armées ont plus rien à faire. J'ai un peu d'argent. Qu'est-ce que je vais en faire? Augmenter les revenus, ce serait intéressant. Il y aura les défenses aussi, ce serait intéressant. Mais ouais, sachant que là, s'il y a une révolte, je ne pourrais rien y faire. Public. Il y aura une révolte dans 4 tours. Éventuellement, si j'aime ça, ça sera dans 4 tours. Mais il n'y aura pas de mort à la colonie. Ça paraît peu rentable. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Je suis pas inspiré là. On est en Wurtbad. Wurtbad. Ensuite, et alors surtout parce que tour. Alors, qu'allons-nous essayer de faire aujourd'hui? Déjà éliminer cette révolte au nord, essayer de reprendre notre capitale, ce serait pas mal. Oh, bravo Lord Doré, ça m'arrange. Le pic nord m'aime bien, d'accord. Ah, et je vais m'attaquer encore? Ah, oh, ouais, vas-y, va-t'en. Bon, là, je les ai quand même bien amochés. Hein. Puis bon, il y a aussi la corruption qui joue. Ah, Kislev a été détruite. Nous avons rencontré Talsimine. Donc, Clan Mulder qui a plus d'armée. Ah, oh, ils reviennent coloniser, ils sont sérieux. Ah, mince, le Stormark qui se remet de ses émotions. Les principautés frontalières déclarent la guerre à Karaz, à Karak et à tous les nains. Déjà, ils hésitent encore, ça m'étonne, premièrement. Eux, ils ont peur de rien. Voilà, pas trop de surprises ici. On va gagner un peu d'argent. Encore une confédération pique noire. Ça veut dire que normalement, ils vont avoir moins de garnison. De toute façon, la ville n'en a pas. Vortex fugace. Le grand bouclier vacille sur son axe et s'affaiblit pendant un moment avant qu'il se rétablisse. Les vents de magie éclatent dans une spirale tumultueuse autour de votre armée, améliorant grandement leur réserve de puissance mais augmentant les risques d'échec. Ah, c'est pour l'armée de Vlad qui est ici même. King of Darkness. Que je vais envoyer combattre de ce pas. Avec notre Banshee au passage, voilà. Ou alors est-ce que je peux faire d'autres choses? Non, on vient ici. On écrase tout ce beau monde, voilà. La vengeance est à nous. Pas sécurisé, limite au combat. Coup de recrutement de héros Banshee, ça je peux toujours pas recruter. Alors là, je sais plus ce qu'on avait fait. Ah, il va falloir tout refaire par contre. Ouais. Non, ça non, le cadavre s'en fiche. Recrutement. Croissance, bon, on a à nouveau besoin de la croissance vu qu'on a tout perdu. Ok, on va sur la croissance. Alors, qu'est-ce qu'on a beau ici? Pas mal de choses. Réserve de magie, taux d'opposition dans la province, portée de déplacement en campagne pour moins 7% pour chaque armée ennemie commençant le tour dans cette province. Le lieu de pillage poste de bataille plus 7%, ça c'est bien comme on manque, plus 3 pour les unités squelettiques, entretien moins 7%. Et on va aller sur les Saint-Charnier, je pense.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Prendre la collection, reconstituer les troupes, entraver la reconstitution, blesser, escorte intendant. Alors, on a amélioré la défense pour ça. Divination, taille de l'aura. Allez, regard mortel. Banshee. Résistance. Champ de vision, j'ai bien amélioré. Qu'est-ce qu'on a là? Nouvelle capacité, ça sera pas mal d'aller là-dessus, tiens. Oh, t'as pas beaucoup de commandements. On va t'en rajouter. Voilà. J'ai pas beaucoup d'argent par contre. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? Recrute, Geist, Geist. On va améliorer ça, vu qu'on a plein de squelettes là dans cette armée. Hop, ici. Elisa Zubisendorf. D'accord, très bien. Endommager le bâtiment, entraver la constitution, répandre la corruption. Chut, tu vas mettre en protection. Voilà, alors par contre, alors vers où nous allons? Ça, c'est une excellente question, parce que là, nous allons avoir une révolte. Dans 5 tours maintenant, ça s'est amélioré pas mal. Hop là. Sauf que là, ils peuvent attaquer quand ils veulent. Là, il y a toujours une garnison de dingue, si je me souviens bien. Oui. En plus, ils sont en train de se refaire. L'Ostermark, il est en guerre contre qui? Yes. Ah ouais, contre le clan Mulder qui est quasiment mort. Ça n'arrange pas ça. Alors attendez, si j'arrive à aller très vite. On va essayer d'aller là. Sauf que eux, ils vont encore pas être contents. Ah, ça va. Comment ça se fait que ça va d'ailleurs? La pression militaire, bah ouais, mais ça va pas durer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Pas grand-chose ici. On a un peu d'ordre public, là, on aura un peu plus. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de corruption. Hein. Oh là là, l'argent, mon dieu. Tu peux recruter, toi, là? Non. Ah, bah là, par contre, c'est intéressant. Ouais, c'est à cause de cette bataille, ok. Alors, faut essayer de prioriser, là, de prioriser les constructions. Je ne sais pas du tout où est-ce que je peux les prioriser. Bon, du coup, si on va aller là, hop. Vas-y, essaie de faire ça. Ok. Talabotland, ça s'améliore un peu. Ça ne va pas durer. Schwarzschaffen, ça diminue. Là, on a de quoi faire des trucs.
Oh, oui. Pousse, 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 pousse. On n'a pas beaucoup de bâtiments qui rapportent des sous. Et on est déplacé, oui, je sais. Tiens, on va l'envoyer par là. Histoire de voir un peu mieux ce qu'ils ont. Ouais. Là, c'est sûr, il va falloir deux armées. Hein. Et non, bah là c'est fichu. Là, ils ramènent encore des armées, eux. Je croyais qu'ils étaient en faiblesse, mais non. Donc faut d'abord qu'on s'occupe des deux piques noires. Ce qui veut dire que on va pas pouvoir attaquer vite Ostermark. Wow, c'est quoi tout ça? Alors ce que je peux faire éventuellement, c'est envoyer Isabella vers Drakenhof. Histoire de refaire des troupes. Alors, l'âme de Karstag, une fois de plus, ramener son maître à la non-vie. Vlad, premier des comtes vampires, patriarche de la lignée des Von Karstein, se trouve hors du royaume et le monde est sur le point de vaciller. Cependant, cette résurrection n'était pas des plus aisées. Le pouvoir de l'anneau faiblit et Vlad doit agir vite. S'il compte utiliser ses facultés dans l'avenir. Il y a d'autres priorités pour l'instant. Vlad a été absent pendant longtemps et ses proches ne sont pas restés inactifs pendant les siècles qui se sont écoulés entre temps. Ils ont conspiré pour un maigre gain aux yeux de Vlad, trop intéressés par leur propre querelle mesquine et rivalité fraternelle. C'est l'heure pour le premier Von Karstein de rétablir son emprise sur ses imposteurs. Pour mettre en place ses plans, Vlad a besoin d'un compagnon et après tout, qui serait. Que serait le comte sans sa dulcinée? Un vampire. Très bien. Rajoutons un nouveau vampire. On a déjà pas mal par contre. Là, on a vampire mort. Vampire ombre. Et là, nous avons vampire mort. Ça sera l'ombre. L'attribut provoque la peur. Moins 10% de points de vie. Ouh, ça c'est pas cool ça. On prend lui alors. Enfin, elle, pardon. L'anneau des Karstein, Vlad dissimule le secret de sa résurrection à la populace, mort et vivant confondus, du moins pour le moment. Cela contribue en effet à ses manigances. Il est temps pour lui de faire trembler de peur l'aristocratie de la nuit ou de les rassembler sous sa bannière. Quel est le moyen de démontrer une telle puissance? Par un massacre sanglant ou avec la promesse alléchante de la magie noire? Ouais, j'ai aucune idée ce que ça va faire, moi. Massacre sanglant. On va prendre ça de la magie noire. Amasser un niveau de magie noire de 10 000. Ouais, alors ça pète pour tout de suite. Hein. Les vampires sont des créatures cupides, voulant toujours plus qu'il s'agisse d'immortalité, de sang ou de pouvoir. Vlad a promis une part de telle richesse, mais il doit d'abord s'en emparer. Et oui, en effet. Alors, toi? Faire ça, 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 ça. Ça, impeccable. Ah, par contre, ça coûte de l'argent, c'est vrai. Toi, tu vas retourner par là. Je comprends pas pourquoi il y a encore de la répression militaire ici. Ok. Je commence à être un peu inquiet vis-à-vis du château de Drakenhof. Et vis-à-vis de mes revenus aussi. Garde déclarée. Ok. Bon. Mes ennemis du sud, ils ont l'air d'avoir quelques occupations.
à venir, ce qui est excellent. Et moi, il me faut de l'argent. Wissenland, c'est mort. Talabekland, pas terrible. Mince, non, je me gourre là. Ouais, alors comment je vais faire? Il me faut de l'argent. Immortel. Ah, il pourrait avoir l'attaque éclair assez rapidement, lui. Et puis je pense à ça. Ah, tu peux pas faire d'embuscade, toi. Zut. Je suis pas très confiant avec Drakenov, donc je vais envoyer mon armée à Drakenov. Sauf que là j'ai l'impression. Alors. Est-ce que là. On peut y aller en un tour? J'en ai pas. Si, c'est bon. On peut. Il reste 1% de déplacement. Ok. On n'a pas d'argent de toute façon. Enfin, on ne peut plus en avoir longtemps. Donc, vaut mieux économiser ce que l'on peut. Les héros non déplacés, oui, c'est pas. Par contre, ils sont un peu embêtants. Alors, je vais attaquer les pauvres du coup, mais est-ce que je vais prendre la ville ou est-ce que je vais la raser? Ah non, ils ont confédéré avec le Reichland. Bon, dans un sens, pourquoi pas. Ok, bon, j'ai bien fait d'aller au château de Rakenov. Ils doivent forcément avoir une autre armée, ils vont pas attaquer avec seulement ça. Bon, alors, Bischofen, j'ai plus besoin de le prendre. Enfin, le Stormark, voilà. Par contre, est-ce qu'ils vont pas m'éclairer la guerre après? Telle est la question. Ah, oh, alors miracle, je gagne de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si je fais ça... Oh, je pense que ça va être tranquille. Allez. On y va de ce pas. Assaut. À l'assaut de l'ennemi. Bon, de toute façon, ils vont avoir le temps de rassembler toutes leurs troupes. Alors, nous avons plein de renforts. Je sais pas si on va s'en servir. Puis ce serait pas mal de s'en servir quand même. Parce que c'est une garnison qui va se refaire simplement. Wow. On a de la cavalerie en tout cas. Alors, on va faire un peu de bidouillage de groupe. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est un peu trop rapide. Ouf, on a plein d'autres unités volantes. On va envoyer avec mon cher Vargeist. Nice. Et on va envoyer 12 bombes. Derrière, avec toi en plus. J'ai ma première ligne constituée de boucliers humains. Alors par contre pour attaquer une unité volante ça va être compliqué avec, avec ce que j'ai moi. Et nous avons un Vargouf. Regardez-moi cette beauté. Ça va faire mal. En tout cas je l'espère. Ok.
tous dessus. Bon, je pense qu'on va déjà commencer à envoyer les deuxième ligne. Hein. Le Vargulf, il y va. Attaquer donc leur catapulte là. Ils ont été. Hop là. Tout... Ah, ils viennent pas en fait. Donc, il va partir un peu mieux à la charge. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau dans le coin? Essayez d'attaquer ça. Ok, foiré. C'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'on prend sur le guerrier? Tiens, on voit ça. La Banshee, il faut absolument qu'il y ait de l'attaque. Ah zut. C'est loupé. Ok, ça c'est bon. Ok, là-bas toi. C'est un peu le bazar maintenant. Le Vargul, tiens, faut qu'on voit qu'on est combat quand même. Il est où? Il est où? Il est là. Hop, 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 attendez là. Reviens là, toi. C'est que moi, c'est grimpeur de la mort. C'est que moi, tout ce beau monde. Poursuivez-les. Soit va par là, soit va par là, par là. Attendez. J'arrive ou j'ai perdu Vlad? Je crois que j'ai perdu Vlad. Seigneur. Allez, on les laisse pas s'échapper surtout. Pas de seigneur dans le coin. En tout cas, on a perdu plein de troupes. Allez, troisième ligne, à l'attaque. Attaquez donc cela. Non, toi, attaque ça. Là, là. Ah, ils sont meilleurs que ce que je pensais, tiens. Très mauvaise utilisation de cavalerie. Ah, là, non. Et j'ai encore pas vu un haut là, sérieux? C'est un scandale. Je suis en train de perdre toute mon armée. N'importe quoi, bon. Essayez de poursuivre un peu. Allez. Bon, le Vargulf, il se fait bien plaisir, mais mes seigneurs se font encore écraser. C'est dingue ça. Quand même. Hop, 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 annule, annule, annule. Trop tard, c'est mes hommes qui sont là. C'est bon, ça se replie. Oh là là, l'hyper, c'est n'importe quoi.
Ah, j'ai même pas tué leur sorcier, j'ai rien tué du tout, par contre j'ai perdu plein de seigneurs. Enfin deux. Ah, il y en a plein qui s'échappent là, allez, tous dessus les gars. C'est pas terrible cette bataille. Hein. La supériorité qu'on avait. S'est fait rouler dessus. Ah mais j'ai encore fait un seigneur. C'est dingue. Donc seulement tous ces gobelins s'il vous plaît. Et continuez de courir. Eh bien, il y a eu des pertes. Hein. Oh, puis ils ont une queue dalle en perte. Oh non. Bon. Bon, bah, remarque, elle va remplacer. Voilà, comme ça, le nouveau personnage va remplacer l'autre, c'est très bien. Toujours pas le petit des choses. Bon, elle va pas pouvoir attaquer tout de suite. Hop, mais... bon, zut. Est-ce que je recrute encore des troupes là? On va y aller comme ça. On ouais, bon ça va, pas du dé nul. De la piétaille. Voilà, donc là on a détruit leurs deux armées, parfait. Dans ma vie, il y aura pas grand chose. Ah si, j'ai rien dit. Non, c'est bon, il n'y a pas de garnison. Hop, attendez un petit peu. Alors j'ai dit que je voulais... Hop, là, améliorer ça. Et ici. Hop, on améliore le commandement encore. Ah, mais ça a déjà été rasé, mais ça, bon. On va le raser. Oui! Donc, on réussit à atteindre 10 000. Incroyable. L'anneau des Karstein, du temps où Vlad investit le château de Trakenhof, qu'il avait pris à Otto von Drack, le comte fou, il avait l'habitude d'organiser les soirées les plus décadentes. Les invités s'y rendaient en costume, leur visage dissimulé sous un masque de bijoux. La musique et les danses de début de soirée laissaient plus tard place à des activités plus lugubres et charnelles. Vlad organise un autre bal masqué, le premier depuis des siècles, où les vampires et les nobles mortels qui le souhaitent pourront obtenir une petite part de pouvoir en échange de leur subordination éternelle. Un truc qui ne peut bénéficier qu'au premier des von Karstein. Et nouvelle quête. Placez 3 unités à choisir parmi les types, les démons de Schwarzschaffen, Vargeist, Vargeist, dans l'armée du seigneur suivant. On en a déjà 2. Alors, il y a établi une base de pouvoir et avec la majeure partie de Sylvanie récupérée. Sous son joug, Vlad peut redonner à l'anneau des Karstein sa gloire d'antan. Pour cela, il aura besoin de Malpierre, un matériau convoité par d'autres vulgaires races, mais aussi par les adeptes de magie noire. Vlad sait que des filons de Malpierre se trouvent dans les profondeurs de la désolation de Nagash. Un morceau de Morzlib est tombé du ciel et a frappé les environs il y a des années de cela, recouvrant ainsi la zone de la roche imprégnée de chaos. Partant du principe que les gisements n'ont pas été épuisés complètement, Vlad devrait en disposer suffisamment. Une expédition à travers les montagnes du bord du monde est nécessaire pour récupérer de la malpierre, et Vlad a bien l'intention de
la mener lui-même. Afin de consolider cette force, il invoque les 16 seigneurs von Kerstein des catacombes, ceux qui sont restés enfermés à pourrir dans leur cercueil. Eh bien, tout un programme. Hop. Alors, toi, abîme noirceur. Hop. Bon, là, t'es en loup. Capacité. Toi, retourne par là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Nous allons améliorer ta défense en mêlée. Alors, je devais avoir moins 5000 d'argent, mais je suis pas sûr de les avoir eu, moins 5000. Avant, c'était directement soustrait. Je n'en sais rien. Par contre, oui, ça y est, je me souviens. Il faut que j'utilise cet argent pour ces nécromanciens. Oui, nécromanciens. Donc on va partir sur la bibliothèque interdite qui rapporte un peu de sous. Autre recherche, oui, bien, 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 bien. Allez, c'est parti. Bon, il est temps de s'arrêter pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à plus pour la prochaine. Salut à tous.